À partir de 20h, Maxi Ligue 2 avec Manu Barthes notamment. Saint-Étienne-Angers dans la foulée. Les clubs de Ligue 2 qui rentrent au prochain tour, 7e tour de la Coupe de France. Ce week-end avait lieu le 6e tour avec déjà des clubs de National qui ont été éliminés. Certains lors du tour précédent, 4 éliminés ce week-end. Rouen, club de National, n'a pas fait de détails contre le club de Barentin, club de R3. Regardez ces images tournées par Florian Héroy. On a suivi toute la préparation de ce club de R3. C'était un véritable événement. Ils ont tout organisé. Malgré la défaite, ça a été une grande fête du football. Et ça, on aime la Coupe de France. Tu vois, j'adore là. Ok, si vous commencez à faire ce que j'ai vu un petit peu sur les deux premières séquences, c'est-à-dire 3-4 touches de balle, le match, il a déjà commencé. Et dimanche, les mecs, je vous emmène pas à Disneyland. Vous êtes conscients de ça, les mecs? Ils ont eu en plus le malheur, pour la plupart, vous le savez, puisque j'ai partagé avec vous, de me titiller un peu et de nous mépriser et de nous prendre pour une équipe de clampins. On va leur montrer qu'on n'est pas une équipe de clampins. Je suis bouillant, moi, les mecs. Je sais même pas comment je vais tenir jusqu'à dimanche tellement j'ai d'énergie à rebond. Votre défi, ça va être de les bouger. De les bouger, mais alors? Juste qu'ils se disent, oh les bâtards. C'est loin d'être une équipe sereine du top 5 de National. Donc c'est peut-être le bon moment. Parce que leur objectif à eux, c'est de se maintenir en National. Tout ce que vous avez dans le calbar, ils l'ont. Tout ce que vous avez entre les deux oreilles, ils l'ont. Et pour certains, ils n'ont pas forcément tout ce que vous avez entre les deux oreilles. En tout cas, sur ce que j'ai vu hier soir. Focus, terrain. Rien d'autre. Terrain. Vous inquiétez pas avec ce qui se passe autour. On va gérer. On en a fait d'autres. Avec JB, on en a fait d'autres. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à ce qu'on dise oui, on est capable de l'organiser, oui, on est capable de le gérer. Et donc, du coup, je pense aussi un peu surpris qu'en fait, on s'est directement à la métropole, avec en plus les gens qu'on connaissait, avec le réseau qu'on a. Et du coup, la métropole nous dit OK, on fait confiance. Et donc, on s'est dit bah, pourquoi pas le faire là-bas et justement tout gérer de A à Z. Moi, je voulais que ce soit gratuit à Barentin. Donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, moi, l'idée, c'est clairement que le club ne perde pas d'argent et que le club ne se retrouve pas à devoir payer dans 3 mois des factures sans en avoir les moyens. Et on va envoyer du lourd, tu me connais, et je kiffe. Maintenant, je vais dormir 2 heures cette semaine. Mais putain, écoute, c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre, Dave. C'est voilà. C'est plus que David contre Goliath, il n'y a pas de sujet en termes de tout. Maintenant, on l'aborde comme un match de foot. Hein. Ils seront 11 sur le terrain, nous, on sera 11. On va jouer le match à fond. Si on se qualifie, c'est juste extraordinaire. Et encore, le mot est faible. Ce serait magique. Il y a une semaine de ça, personne ne savait où c'était, Barentin. Chez certains Rouennais. Moi, croyez-moi, aujourd'hui, ils savent où est-ce que c'est, Barentin. Ah, ils ont pas peur de nous. Hein. Alors, on va les chicoter. D'accord? On va les chicoter. D'accord? Reposez-vous bien. J'ai encore plus la rage que lundi. Quoi? L'objectif en face, inscrit sur leur tableau, c'est 5-0 minimum à la mi-temps. Ils sont fous ou quoi? Et je serai debout en 90 minutes, 92 minutes au bord du terrain pour vous donner toute la force dont vous aurez besoin. Qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe. Ok? Et maintenant c'est à vous de jouer, j'ai confiance en vous. Parce que si vous saviez comme je vous aime, vous imaginez même pas. Alors les gars, au boulot, au turbin, là, on y va. Soyez sur le terrain, soyez unis, solidaires et avec un bel état d'esprit pour montrer que les pays de jeu, c'est pas une mission. Pour moi, ça pousse les prestations. Merci beaucoup.
Moi, je suis fier de vous. Je suis fier de la façon dont vous avez vécu le match, dont vous avez abordé le match. Oui, on peut avoir des regrets. Oui, ceci, cela. On nous a laissé tout seuls. On a relevé le défi. 4000 personnes dans ce stade d'Urgent. Bravo, les gars. Bravo. 4000 personnes. Croyez-moi, dans 20 ou 30 ans, vous vous souviendrez de ce jour, vous vous souviendrez des gens qui étaient dans ce vestiaire, vous vous souviendrez de tout. Aujourd'hui, je suis fier de ça, de cette aventure humaine. Bravo à tous et merci. Les sourires, les applaudissements malgré la défaite, c'est le football que l'on aime. La Coupe de France sur les antennes de beIN Sport, vous le savez, avec d'abord l'entrée en lice des clubs de Ligue 2, ensuite l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Et il y aura d'ailleurs le tirage au sort en direct. Ce sera le 11 décembre prochain pour une grande soirée tirage au sort avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. Et les clubs amateurs, vous pouvez également nous contacter. On vient vous voir si vous le souhaitez avec ce hashtag sur les réseaux sociaux. Vous nous contactez, on rentre et on se met en contact pour venir vous voir directement dans vos clubs.